la salle était remplie. On ne pouvait pas faire la partie. On s'est enfermé. J'ai dit sang. Nous venons de gagner l'élection présidentielle. Il a été complété de campagne. Donc, il part favori. Avec le président plus favorable. Parce que, d'après cette description, on a l'impression qu'il te connaît mieux que l'autre. Donc, il faut prendre appui. L'autre. On verra en cours de mars quand est-ce qu'il peut venir sur le pays. Donc, je lui ai dit, bon, quand nous allons rentrer dans la salle, enfin, on sait. C'est toi qui prends la parole pour le lui annoncer. Nous sommes rentrés dans la salle. J'étais assis, Simon était assis à ma droite. Il a étonné. Il a étonné. Non, ça l'a étonné la réaction de la salle. Seydou Diarra. Avec Seydou Diarra. C'est comme ça que la vie a été nommée. Bon, la constitution de la Deuxième République prévoyait que le président de la République ne pouvait pas être en même temps. Président du parti. Président d'un parti politique. Voilà. Donc, quand nous nous sommes installés, on a fait le premier conseil des ministres le 27 octobre
2000, dans le mois de novembre, j'ai demandé à Sangaré d'organiser un congrès pour choisir un nouveau président. À ce moment-là, reconcertation entre Sangaré et moi. Et là, c'est Sangaré qui tombe la deuxième chance à vivre. Et j'ai président. Je connais le FPI. Nous sommes des failliteurs. Si nous donnons le parti à quelqu'un d'autre, il va embêter à vie pour chercher à prendre sa place. Comme premier ministre. Donc, on lui a donné le poste de premier ministre. Donnons-lui un peu de temps le parti. Comme ça, personne ne va l'embêter. Sangaré, c'est sûr que tu ne mais c'est une telle analyse que nous avons fait, Sangaré et moi. Et c'est comme ça que la vie a eu, et le poste de premier ministre, et la présidence du FPI. Aujourd'hui, a pris sa grippe contre nous. On pense le président du parti. Le président du RP. Et il oublie tout ça. Alors, moi, j'étais en prison à La Haye quand j'ai appris les louvoiements. Les gens marchent, mais comme ils marchent dans les airs, ils ne laissent pas de traces. Quand on regarde les airs, on sait comment tu as marché. C'est triste. C'est important. Et nous, en train de dire. Si. Mon bras, j'ai donc, je suis quand les camarades en ont eu marre de ce mouvement, ils m'ont dit, mais ils m'ont appelé sur le lit, mais c'est normal. Il faut être candidat au congrès, puis on va dire à tous les partis. Pour ça, tu vas donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai appelé en soi. Pour lui dire, il va faire ma campagne. Quand il a vu que Afa a dit qu'il était le Ghana pour venir faire ma campagne, il a compris que c'était pour être enlevé. Donc il a enlevé le congrès. Oui, 2014. Le congrès n'a pas eu. Non. Oui. On a venu là-bas. Oui, on a parlé partout. Lui, il était prévu. Donc j'ai compris définitivement que le monsieur, lui aussi, était définitif. Dans son choix. Dans son choix d'aller ailleurs. J'ai dit bon, c'est donc un autre combat, une autre lutte qui s'ouvre devant nous. Donc, j'ai montré ma disponibilité à discuter avec lui. Parce que je voulais comprendre. Est-ce que c'est j'ai montré ma disponibilité. Alors, il y a eu tous les théâtres dont vous avez été témoin.
Il va à Paris, il n'arrive pas à faire du retour. Mais bon, il y a une douce merde. Et puis, une fois, comment il s'appelle? Mon porte-parole. Connais Katina. Katina m'appelle Dakra. Je dis, ah, j'ai vu la fille, il veut effectivement venir. Pour parler avec toi. Il veut effectivement venir parler avec toi et te remettre le pas. Et lui, tu dis quoi? Il dit, j'ai vu la fille. Il veut effectivement venir pour te remettre le parti. Et lui, tu lui devais. Comme la première fois, il était venu à Paris. Il a dit qu'il avait été empêché par Assoir-Dou et Aka Emmanuel. Il lui est venu directement. Après ça. Et de descendre dans l'hôtel appelé Tan. Parce que dans cet hôtel-là, à ce moment-là, il y avait mon cousin, Laurent Autour, qui était venu et qui était dans cet hôtel. Donc j'ai dit, je ne vais pas descendre en fait. J'ai revenu. J'étais accompagné. On vous a dit de faire vos trucs. Moi, je suis venu à Fouadou de Côte d'Ivoire. Et j'étais accompagné de Abiba Touré. Je n'ai pas là aujourd'hui parce qu'elle a des affaires à suivre. Elle a même fait. Je suis venu à Paris. Et donc, il y a eu des affaires d'où elle est là. Un premier tête à tête entre la fille et moi. On était trois. Il y avait Afi, il y avait moi et il y avait Abiba Touré. Il a duré entre une heure et une heure et demie. Je l'écoutais. Il a parlé. Et après, il a sorti un document. Oui, il posait des revendications. Alors, j'étais un peu étonné. Et savoir que dans les parties-là, on posait des revendications. Il posait des revendications le concernant lui. C'est-à-dire, s'il donne la présidence, il doit devenir en fait de. Premier ministre. Une ou deux revendications. Il doit devenir premier vice-président. Avec toutes les prérogatives. Assurant l'intérim totalement. Sans contrôle. Oui. Allez, je prends la présidence du parti, mais je devais la mettre dans le terme. Alors moi, je l'écoutais. On dirait que ce n'est pas du pays qui s'agit. Non. Je ne dirais même pas que ce n'est pas lui, la fille qui parle. Quand il a fini, j'ai appelé les Assoir-Dou, les Laurent. Et là, le temps n'est plus supportable. Je dis que moi-même, et il leur a donné. La décision définitive était prise. C'est ça même. Je ne viens pas à lui. C'est bien. Il n'a qu'à donner nos logos ici. Parce que Kodjo Michel est assis là. Ouais.
quand on a fait une réunion de notre organisation marxiste à Yopougon, on a décidé de créer une organisation luttant pour le multipartisme et la démocratie. Aujourd'hui, c'est là. De ce que je vois là, il est là. Simon est assis à côté de lui. De ce que je vois, bon. Et nous avons décidé, nous avons désigné ce qui devait aller rencontrer les Pascal Koukoura, les Sangaré, tout ça, pour créer cette organisation. Je regarde Simon et moi, et voilà quand au bout, mais voilà quand au bout, oui. Était en ce moment-là en France, pour rédiger sa thèse. Non, on est parti à l'époque. On rencontre Sangaré et Koukoura, on est tous simple. On a arrêté le truc. On a créé ce parti démocratique qui n'avait pas de nom. Et on est retourné à notre organisation de base et je leur ai dit qu'il fallait que quelqu'un parte en Europe pour populariser notre but. Ils m'ont désigné. Pour venir à la même époque. Ils m'ont désigné. En partant, ça a posé du sang que nous avons laissé l'organisation. Et quand je suis arrivé en France, j'ai donc parlé à Wadogo. On s'est rencontrés, on a discuté dans un café sur la venue de la Grande Armée. C'est le pendant des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont très chantés. Quand on arrive à la place de l'Étoile, on descend de l'autre côté, on vient de la Grande Armée. Et c'est là que nous avons trouvé le nom Front Populaire Ivoirien. Aussitôt, on a fait des tâches, des cachets, des tampons. Et je suis arrivé récemment avec le dernier de ces cachets qui était récent en France. Donc, c'est à moi qui parle. Aujourd'hui, nous faisons une exil
Il nous faut avancer. Vérité. Vérité. Oui. Donc je propose au comité central la solution suivante. Laissons Afi avec l'enveloppe qu'il détient. Et nous, nous allons prendre la décision dès aujourd'hui de créer notre propre parti avec le même contenu. Nous allons baptiser un pays autrement. Adopté. Écoutons ce qu'il dit. Nous allons continuer à lutter pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour la décentralisation, pour l'industrialisation, pour les libertés, etc. Mais il va rester là-bas. Et nous, nous allons prendre parce que le FPI, c'est nous. Les bases sont là. Les fédéraux sont là. Les commissaires de bases sont là. Les secrétaires de section sont là. Nous allons changer de nom. C'est nous. Sur le chemin, que tu vas d'un village à un autre, tu rencontres un caillou, tu n'es pas sorti pour te battre contre un caillou, tu sautes, et tu contournes. C'est ce que nous avons fait. Parce que on nous a envoyé en ville. Peut-être qu'on nous a envoyé beaucoup de choses. Mais il faut que nous apprenions que notre combat, on peut nous mettre en prison, tout ça. On va en prison, on sort et puis on continue. Ça, c'est un problème. Et nous ne sommes pas les premiers sur la terre à continuer ça. Donc, on va continuer le combat. Mais cette petite pierre-là, qui était sur le chemin, nous allons la contourner. C'est ce que je vous propose. Donc, camarade secrétaire général, camarade président de camarade député, tout ça. Je souhaite que le comité central adopte cette tactique et que nous allons mettre sur pied un comité pour convoquer rapidement un congrès extraordinaire. Ce congrès va prendre tout nos bases et nous allons redonner un nouveau nom et puis nous allons continuer. C'est ce à quoi je vous convie aujourd'hui. Et j'attends donc le débat sur cette
proposition et j'attends vos décisions. Je vous remercie. Non. C'est pas ça.